Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Ex-doyen de l'Assemblée nationale, il vient nous entretenir de politique, autant fédérale que provinciale. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois comme analyste politique Monsieur François Gendron. Monsieur François, bonsoir. Bonsoir, M. Lacaze. C'est un plaisir. Ah, le plaisir est partagé, Monsieur Gendron. Euh, grosse émission. On va essayer de, de naviguer entre le fédéral, le provincial, etc. Je sais que vous êtes bien d'accord avec ça. Ah oui, euh, <laughs> j'adore faire ah, ben des oui, oh, ben Oui, exactement, c'est <laughs> vrai. On ira d'en <laughs> faire ensemble une bonne fois. Euh, Monsieur Gendron, les Canadiennes, les Canadiens, euh, bon, euh, iront exercer leur droit de vote euh, le 21 octobre prochain. C'est tout à fait légitime et ce que l'on demande tout le temps, vote pour qui vous voulez, mais au moins exercer votre droit de vote, parce qu'on est quand même encore un pays, encore une province qui avons ce privilège-là. Il ne vient qu'ils ne l'ont pas. Hein? Fait il faut faire attention à ça. Monsieur Gendron, l'allure de cette campagne-là, est-ce qu'elle vous plaît? Bon, on va répondre franchement, mais avant, je, je réitère ce que vous venez de mentionner. On ne peut pas avoir l'occasion. D'exprimer ce qu'on appelle notre adhésion aux valeurs démocratiques, puis pas exercer son droit de vote. Voilà, oui. Donc, euh, vous avez un devoir de citoyen. <coughs> Faites ce que vous voulez, mais exercez votre devoir de citoyen, parce que c'est le jour où on en aura encore moins, euh, c'est pas sûr que vous allez être heureux de la situation. Donc, euh, exercez votre droit de vote. Euh, bon, c'est une campagne, euh, c'est euh, bon, bon, une campagne au fédéral. Oui. Vous le savez, une campagne au fédéral, il y a moins de proximité par rapport aux dossiers puis aux champs de compétences des oui. uns et des autres. Mais, comme vous dites, à date, le Québec est une province canadienne. Alors, étant une province canadienne, et sachant qu'il n'y a que le Québec qui a la culture française, la langue française, les, les mouvements des jardins, euh, s'impliquer davantage dans le support à l'économie, parce que, je dis pas que le fédéral fédéral s'implique pas. Mm -hmm. Mais la culture d'accompagner le développement économique, je dis bien pas le faire, accompagner le développement économique est beaucoup plus forte dans une province québécoise, parce que le Québec, c'est une c'est une PME énorme. Tu sais, oui. Il y a beaucoup de. Bon. Et on a toujours produit plus de biens que nous en consommons. En conséquence, il faut supporter l'accompagnement. Euh, elle ne me plaît pas plus qu'il faut parce que euh, moi, personnellement, euh, bon, je pourrais avoir une opinion sur M. Trudeau, mais ce n'est pas important, ça sera à vous de juger. Ce que je trouve, c'est qu'il y a énormément de répétitions et on a réussi à tourner la campagne sur des éléments qui, d'après moi, ne sont pas fondamentaux. Et je suis bien d'accord avec vous parce que quand on parle de. Quand on est rendu à sortir des, des choses de 2001 sur, sur un candidat. Euh, ça vient faire quoi? Parle-nous à la place de, de tes enjeux économiques, parle-nous de tes, de tes enjeux climatiques. Ça, ça va intéresser tout le monde. Ben, vous avez raison, mais là-dessus, je voudrais être encore un peu plus précis, mais c'est ça de l'analyse politique. C'est que moi, personnellement, euh, d'abord, on n'élit jamais un gouvernement pour ce qu'il a fait, règle générale. On élit toujours un gouvernement pour ce qu'on pense qu'il va faire. C'est logique. ça. Oui, oui, bon, comme, oui. Il y a une partie, bien sûr, sur le bilan de ce gouvernement-là. Et ça, c'est légitime. Mais on peut pas rester le piton collé, excusez l'expression, euh, uniquement sur... Il y avait promis ça, ils l'ont fait aux trois quarts, à moitié, pas beaucoup, peu passionnément, la folie. Et on peut pas rester que là-dessus. La perspective et la vision, parce que la société évolue. Alors, vous avez raison. La crise climatique, ça prend des engagements plus fermes, plus palpables. Même chose sur ce qui est de la gestion et de la gouvernance, il y a des éléments de gouvernance qu'il faut avoir leur juste. Quand on aspire, redonnez-moi un nouveau mandat, ben continuez ce que j'ai fait. Si dans ce que vous avez fait, je ne suis pas pleinement satisfait, j'ai beaucoup plus de récrimination que de conviction, ben si tu ne me montres pas ce que tu vas ajouter, si je te redonne le pouvoir, ben j'aurais porté un jugement sur quelque chose qui ne se réalisera pas. Et ça, c'est décevant. Autrement dit, le respect de l'électeur, c'est de temps en temps arriver avec des options neuves, modernes. On promet ça, on promet ça. Et le dernier point, parce que je ne veux pas être très long là-dessus, mais c'est clair. Écoutez, quand Mme May est rendue à 84 milliards. 84 milliards. milliards. Exactement. Oui. C'est d'un ridicule consommé. On ne peut pas euh, promettre 84 milliards d'engagement quand tu sais que tu n'as aucune, aucune, aucune chance de. Gouverner. Absolument. absolument. Euh, tu peux inf... le débat parce que je suis contre l'autre argument, dire Ben oui, vous ne serez pas au pouvoir. Je suis contre ça. Parce que s'il si faut être au pouvoir pour faire de l'action politique, il faudra abolir tous les partis qui n'ont pas de chance et de pouvoir. <laughs> voilà, exactement. Et là, vrai. on tombe dans un problème anti-démocratique. C'est ça. Fait que. Tiet, euh, que... je Tu m'avais demandé que, euh, oui, comment je file là-dessus. Là. Je, je la trouve tiède, la comment. Est-ce que. Parce que euh, les deux principaux, principaux, disons que les deux qui, à notre avis, sont éligibles fortement à prendre le pouvoir, on parle du Parti libéral et on parle du Parti, parti, parti conservateur. conservateur, ces deux principaux partis-là, les, les deux chefs... Des boulets depuis le début de la campagne électorale. Quand on pense à M. Trudeau et son SNC, lavalin on le sait. Là, son blackface, face, brown face, elle va appeler les, comme vous voulez, ça date de 2001, mais il traîne ça depuis le début. Pourquoi ne pas l'avoir dit? En partant, on met ça de côté, c'est fini. Et M. Scheer, lui, il vient de faire une mise au point parce qu'on enregistre, là, nous autres, là, le 8 octobre. Donc, et là, il vient de faire son meilleur coup de pas, de dire « oui, je suis pro-vie », etc., etc. S'il l'avait dit au tout début, ça leur aurait enlevé une épine énorme ouais. à son pied. J'aime ce que vous dites. Par contre, j'attire l'attention encore là, des gens qui nous écoutent, et j'espère que vous êtes nombreux, nombreux à nous écouter. Oui, mais uniquement pour faire de l'analyse politique. Qu'est-ce que vous venez d'attester? Vous venez d'attester qu'au Canada, pour les premiers ministres du Canada, il y aura toujours un peu deux discours. Le discours du rock, puis le discours au Québec. C'est cette fragilité-là de deux discours sur les deux éléments que vous avez oui, mentionnés. Oui. Parce que vous avez remarqué, prenons, un, vite, vite là, un, le face brown ou black face. Ça, là, on a grossi ça à mort. « Mais parce que à bien plus important les journaux anglophones. Oui. Ils ont fait des manchettes puis de voler sûr. le bois vert. Oui, Alors, sûr. que ce chien, lui, compte sur le vote du rock davantage. Bien sûr qu'il va y avoir des votes au Québec pareil. Bon on reviendra oui. sur l'autre élément. » Mais lui, là, s'il patinait pas sur, hey, ça n'a pas de bon sens, puis il a rappelé bien plus ça que SNC La Oui, oui, parce qu'on n'en a pas entendu parler, que... Voilà, fait bon, Mais moi, là, j'ai toujours eu horreur de mettre beaucoup d'accent dans les médias à répétition en termes d'édito, d'édito, puis dire, oui, mais continue à parler de ça. Arrêtez les médias et la presse de l'entretenir. Il n'y avait plus de sujet là-dessus. Là. Parlez-en une fois après bon, ça. L'autre affaire, affaire, vous le savez qu'il y a un gouvernement qui a été élu avec une bonne majorité au Québec. Il a pris une décision sur ce que vous savez, la laïcité de l'État. Oui. Pas question de renier vos, vos, votre conviction religieuse. Arrêtez de mêler l'affaire. Mais l'État, au Québec, on souhaite que l'État, la gestion de l'État dans les postes de l'État, que nous soyons laïcs. Et on sentait l'adhésion populaire. Là, de laisser voir, « Ah, t'as peu. pense pas de contester ça parce que c'est un gouvernement majoritaire qui l'a pris, mais attendons le lendemain de l'élection. Yeah. » ben, ça n'a pas de boss. <laughs> Et là, les deux sont mis à patiner là-dessus. Là, il dit, « Ben oui, mais quand c'est en cours pour un dossier, là, je veux pas toucher à ça. Signe, c'est en mêlée, lui aussi, hier, là-dessus. » ouais. Les Québécois, là, ils peuvent avoir ouais. bel les défauts, mais, règle générale, ils aiment la franchise. Et moi, pourquoi j'aime ce que, ce que vous soulevez, là? Et que je vais toujours prêcher la transparence, Honnêteté, ouais, franchir transparence, l'honnêteté intellectuelle. Ce toujours... le... Et ce qui vous ont toujours honoré, monsieur. Oui, monsieur donnons leur juste aux citoyens. On veut voter, puis on va leur compter toute sorte de peur. Ouais. Et là, les gens disent, oh, ils sont tous pareils. Non, ça va pareil. Deux questions rapides, deux réponses courtes. Vos pronostics, le 21. Me <laughs> les réponses courtes. Bien, moi, je pense que ça va être minoritaire. Oui. le pas droit pas, de dire pas. ça. C'est pas ce que je souhaite. Je n'ai pas à souhaiter, mais je crois que ça va être minoritaire. Et là, quand c'est minoritaire, ben là, il faut regarder ce qu'on appelle les votes stratégiques. Voilà. Exactement. Ah, et dans les votes stratégiques, est-ce que ça peut devenir plus intéressant et se débarquer? Bien là, c'est clair. Mais présentement, moi, je fais plus d'analyse politique, entre guillemets, le plus objectif que je peux, je fais de même. Je suis pas en train de faire de la partisanerie. Par contre, moi, je pense que dire, ben oui, bien un tel a aucune chance du pouvoir. Moi, bon, je prétends qu'il y a beaucoup de chances si effectivement ça devient gouvernement minoritaire. Voilà. Oui, Parce que là, dès qu'il y a l'une ou l'autre des formations qui ont la possibilité d'abord d'être reconnues, parti reconnu. Oui, et là, vous savez que ça ne peut pas expliquer ça, ou mais pas si avoir le nombre oh, de sièges. Si oui, dès qu'un parti peut être reconnu, <laughs> puis c'est à balance du pouvoir et que ça peut être intéressant à québec Voilà. Exactement. Le... Est-ce qu'on peut assister à. Une remontée du bloc. On sait que Yves-François Blanchette fait quand même une très belle campagne. Est-ce qu'on peut assister à une remontée du bloc? En 2015, ils ont eu 10 sièges. Oui. Est-ce qu'on pourrait prétendre, peut-être, aller à pas loin d'une vingtaine? Bien, objectivement, je crois, M. d'accord. Objectivement, encore là, c'est même pas l'ancien militant de sa cause. Ben, si c'est la cause, je suis toujours membre de la cause. Mais c'est pas ça le dossier. Est-ce que la façon dont Yves-François Blanchette mène cette campagne-là et le traitement médiatique qu'on lui accorde, la couverture pas mal légitime qu'on lui donne parce qu'il fait le mot juste de bonne campagne, est-ce que ça nous donne l'espoir ou la perspective de dire qu'il risque d'avoir ce qu'on appelle une addition quant au nombre de sièges? Tu peux pas dire, il mène une mot juste de bonne campagne, on aime ça, il est performant, puis ça n'a aucune incidence sur le vote. Tu sais, ah, qu'est-ce que je vais au début? Ça. Pas ici, dans, dans une analyse, il faut quand même tenir compte des paramètres objectifs qu'on a entre les mains. Oui. Alors, les paramètres objectifs que j'ai entre les mains, c'est qu'il fait une belle campagne, puis ça ne marcherait pas s'il n'y avait aucun transfert en termes de plus de siècles. Et on est loin du. Euh de notre chère Martine, ça c'est ah, complètement ça, du passé. Ça, ça, clair, ça, la page est tournée, elle est même déchirée, je suis après, ça oui, puis d'ailleurs regarde, le climat est bon. Il a recruté des gens d'une nouvelle équipe, il fait confiance et il parle franc. Il expose clairement la position qui est la sienne. Oui, exactement. Euh, Très vite même encore. Performance du NPD selon vous au Québec. Difficile, mais il est tellement sympathique, donc là il y a une sympathie. Ah. Bon, on le découvre. Autrement dit, on ne voyait trop son turban, mais oh, peu oui, importe. Oui, là. Oui, oui. Non, non, je ne parle pas de, de jumeau là-dessus. Là. On non, dirait qu'on qu ne voyait pas l'homme. Or, l'homme, il est généreux du cœur, il est sympathique, puis c'est un « good guy », excusez-moi, c'est une bonne personne. Oh, oui. Non, non, mais on sent que c'est une bonne personne. Puis, les deux derniers débats, celui en français à TVA et celui que, que l'on a vu, qu'on a cité hier à Radio-Canada en anglais, aussi, euh, on a vu, là, un M. Sink sortir un peu. Oui, par contre, à là, toujours pour des raisons de franchise et d'honnêteté, il faut faire attention aux contradictions, il ne faut pas se faire piéger. Quand il dit, là, moi, là, je veux rassembler, je veux unifier. Mais, votre loi, là, sur la laïcité, là, même si elle est adoptée très majoritairement, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, okay. ouais, mais là, il y a un problème dans les, dans les épithètes. Tu ne peux pas vouloir rassembler, ça a été passé majoritairement par un gouvernement dûment légitime, voilà. élu très fort, puis faire semblant qu'il n'y a pas de contradiction dans son propos. Il y, a, il y a une méchante contradiction. Je vous adore en mal. Moi, je veux pas de loi divisive. peut peu, que. Penses-tu qu'on ne savait pas que ça pouvait être divisible? Ah, ben oui, c'est Mais dans le Rock, c'est pire. Oui. Au Québec, au Québec, est-ce que cette loi-là, majoritairement, est agréé par le Québec? La réponse, c'est oui. Est oui. Exactement. Ah, on ne peut pas faire semblant qu'on ne sait pas. On va délaisser la politique fédérale. On va laisser les gens aller voter, s'exprimer librement. On va souhaiter qu'ils aillent voter. Oui, on attendra le résultat, puis on le moi, commentera après. Moi, il n'y a rien qui <laughs> m'insulte comme quand une personne excusez l'expression, mais chiale après un gouvernement, peu importe lequel, puis je lui demande, oh, « Oui, mais ça oh, a été voté. »« Non, je ne suis pas allé voter. »« pas en tout. Ah, OK. Bon, » voilà. Et on, on vient de clore la discussion. Bon. <laughs> Un an de pouvoir pour la CAQ, le 1er octobre dernier. Est-ce que, selon vous, la CAQ, à a livré la marchandise? Globalement, oui. Globalement, oui. Mais il faut faire attention, pardon, parce que ça, ça c'est pas votre question que je questionne, mais c'est encore là, c'est l'analyse la, que je fais. Quand on fait l'analyse politique, il faut l'analyser comme vous. Euh, non, pas livré tant que ça, parce que c'est pas là-dessus qu'à la réaction a porté. À, à la réaction on change de gouvernement. Et en conséquence, est-ce qu'on a fait largement confiance à une équipe plus sécure d'occuper le poste de gouvernement? Ça, c'est la CAC. On en a parlé beaucoup, M. Gendron. C'est que l'élection, et, et je ne veux rien enlever à la CAC, mais l'élection, c'était on ne veut plus des libéraux. Puis Point. le Parti québécois, c'est pareil. pas ces dates pour de suite. Là. On, on va essayer d'autres choses. Exact. Alors, à partir de là, on essaie d'autres choses. Est-ce qu'on a mis beaucoup d'analyse puis d'efforts sur la compréhension des programmes? La réponse, c'est non. Donc, est-ce qu'ils ont livré pas mal? Ben, ils ont livré quelques gros dossiers. On en a parlé, je ne reviens pas là-dessus. Le dossier, je suis allé ici, il est adopté, puis il est adopté majoritairement. Ouais. Bravo. Euh, dire, nous, on va préconiser un nationalisme économique, puis on va mettre l'accent sur la fierté québécoise, et ça va paraître. Ben, ils sont chanceux à mort. L'autre gouvernement a tout fait pour aller gonfler une banque pour des promesses libérales, donc la caisse était pas mal pleine. Et objectivement, l'économie va bien, autant du Canada que du Canada, très bien. Oui, oui, donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème budgétaire. Même au contraire, toutes les prévisions sont au-delà de ce qu'on avait prévu, d'un deux, des deux partis. Mm -hmm. Ça donne de la belle marge de manœuvre pour intervenir. Alors, est-ce est qu'ils interviennent? Puis est-ce qu'il y a pas mal de dossiers? Je vais donner un exemple bien concret. En éducation, est-ce qu'ils ont mis des milliards? Puis c'est du sans précédent difficile. Attention, les dommages sont tellement graves par l'ancien gouvernement que par définition, quand tu es en retard de 10-15 ans en milliards en éducation, compte tenu des coupures, des coupures, des coupures, les bouchées sont plus grosses. Mais on est encore. Moins d'argent dans les salles d'éducation qu'avait coupure. Mais quand vous avez été au pouvoir avec le Parti québécois, c'était aussi votre devoir d'injecter de l'argent en éducation? Bien sûr. Est-ce que, est que vous l'avez fait? Pas, pas, pas comme on aurait voulu. Non, non, mais pas comme on aurait voulu parce que quand on est au pouvoir, la situation budgétaire n'était pas celle qu'ils ont pendant quatre ans. Donc là, si vous ne faites pas ce lien-là, ce lien c'est pas les mêmes comparaisons pour le vrai. Est-ce que est-ce que moi je vais jouer par exemple monsieur Bédard, Stéphane Bédard qui était au Conseil du Trésor avait-il les marges de manœuvre que a oh, celui qui occupe le poste La réponse c'est non, avec un écart de 4 à 5 milliards. C'est facile d'être très généreux et dire autres, on a du veille. Ben, c'est sûr ceux qui sont arrivés au pouvoir suite à, à des, des réductions de, du côté du Parti libéral. On a serré la ceinture à tout le monde dans le but justement de distribuer des millions et des millions et des millions lors d'une campagne électorale. Ils n'ont pas été élus. Alors, le gouvernement en place profite d'une situation. Et, et je ne fais aucune politique là, en faisant ça, sauf que le, les coffres étaient pleins. Les coffres étaient pleins. Fait que, on, on dirige avec les coffres pleins. Non, mais la question était, est-ce qu'il y a un bilan convenable? La réponse oui. est oui. Est-ce que M. Legault et son équipe surprennent plus positivement que négativement? La réponse est oui. C'est ça. On va en venir à ça, M. Gendron, euh, parce que dans les engagements respectés, il y a la réforme du système d'immigration, la oui. loi 9, la loi 21, on en a parlé, nouveau mode de nomination des patrons de, à l'UPAC euh, sur l'île du Québec. Et des PCP, on voit ça justement aujourd'hui, là. Ça, c'était respecté. Réduction temporaire du nombre d'immigrants. Remboursement pour les soins de, de la vue au moins de 18 ans. Réforme du mode de scrutin, mais ça va être juste en 2026. Non, là, ça, ça marche pas, bon. Là, vous en parlez parce que là, une y en a deux, trois que je voudrais commenter, toi, en oui, termes oui, d'analyse. Oui. Oh, oui. Mais non, non, là, c'est un gros morceau. Et là, c'est une méchante pirouette, là. C'est la, c'est de renoncer à une signature. Pour, il a, il a oui, oui, y okay, oui, ben, ben, oui, okay. a signé un document avec trois partis politiques qui existent, reconnus, pour la vrai là. Oui. Bon? Puis il a dit, non, là, c'est plus gros que je pensais, puis on n'y arrivera pas. Alors là, en termes d'analyse politique, ça ne peut pas marcher, là. Je ne suis pas d'accord. Si le premier ministre avait dit, tu vas prendre les moyens pour y arriver, est-ce que ça se fait? La réponse, est oui. Ça, je suis sûr que ça se fait. Là, je, je veux pas savoir si vous êtes d'accord ou pas là. Mmh. Et là arrivé avec euh, un patent quand y il avait des questions de dire ben là on va se mettre sur référendum lors d'une campagne électorale. Je regrette de tout temps. tous les analyses en démocratie disent quand tu mets une campagne électorale avec un référendum, on traite pas du tout Adéquatement, le sujet du référendum, quel qu'il soit. Il ne oh porte, oui. porte même pas de jugement, je bien. Alors, c'est une affaire à budget pas mal, et c'est un très mais gros Est-ce qu'il peut corriger son tir Non, mais pas, pas M. Legault. le que je connais très bien. Le destin bien. ici, là. Le destin ici. Disons, que depuis un an, il y a eu des corrections des tirs assez souvent. Souvent. Jonin Barrette, on l'a vu, on l'a vu, vu Mme Guilbeau, on l'a vu lui-même, lui M. Legault. Jeter quelque chose sur la table, on le va le retirer. Ça, ça, 24 heures après. Là, on a pensé à ça, puis on va, etc. Mais est-ce que, est que ce n'est pas reconnaître son erreur? D'une part, mais là, il y a une dimension populiste, là. Moi, ce que j'aime de M. Legault, mais là, on va pas être obligé d'aimer ça. Moi, j'aime ça, un premier ministre qui tient compte du pouls de la population et qui lit un peu plus le peuple. Et c'est ce qu'il fait. Voilà. Oui, puis il lit assez bien. Moi, je trouve que M. Legault lit assez bien. Bon, est-ce que sur des valeurs puis des principes, ça m'agresse sur des affaires Ben oui, ben oui, moi je suis un gars de principe et là, même si c'est important parfois d'avoir ce qu'on appelle une bonne vision, être trop populiste, là, on tombe avec des partis politiques que moi j'aurais jamais adhéré, là. puis je les nommerai pas pour respecter le monde, là. mais je suis pas trop hot là-dessus. Une gestion de l'État, ça prend de la vision juste du populisme. Ouais, et, là, et là, il y a un manque de vision, puis il y a des morceaux graves là, dans leurs décisions. Je regarde, par exemple, euh, le ministre euh, de l'Immigration, que j'aime bien, c'est un jeune avec un gros potentiel. Oup! On commande une interpellation, il jette du lait sur euh, le « hi » puis les « bonjour ». Et là, je ne veux pas savoir s'il faut le prendre aussi gros que ça. Oup! Il se fait coller des Je suis capable de lire les... la politique. Il y a des gros dossiers aussi, mais il y en a peut-être trop. Est-ce que. Est que il, y a trop? il y en a oh, oui, est Il y a beaucoup. C'est le l'homme de confiance oh, de M. Sûr. De Gaulle. C'est son bras droit. Il se fie sur lui. Oui. Puis, mais C'est son bras droit. Il faut gros. ajouter leader de la Chambre. Et Donc, leader de la Chambre. Donc, quand tu es un leader de la Chambre, c'est toi qui orchestres. Ça, ça vient, ça, ça vient pas, ça, c'est un baillon, ça, ça mal prêt prend, Et ainsi de suite. Le, 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 Il y a le, des responsabilités. Les taxis ont glissé pas oui. mal, hein, on en parle encore oui. les médias. Il euh, y, a, y a des carences à plusieurs égards, mais ils sont chanceux. Les carences sont à peu près pas traitées par les médias. Ils sont encore en lune de miel, même oui. s'il y a moins de miel, mais l'opinion publique, on voyez pas ça. L'opinion publique. On, on va arriver sont, si, sont exactement. ça. Exactement, c'est ça. très vite, même, M. Gendron, des, ben, mauvais coups, des coups moins bien reçus, si vous voulez. Le, les trop perçus de l'Hydro-Québec, M. Legault s'est mis les pieds à, à peu près, vous savez, dans la, dans, dans l'électricité. si on peut appeler ça de même. Mais il a vraiment, il, il ne fait vraiment pas ce qu'il y a tant tant dit dans oui. l'opposition. Il a même traité le gouvernement libéral de voleur oui. à ce moment-là. Puis là, aujourd'hui, il fait Recule pas sans mieux. président les, il... les, les maternelles 4 ans. Les devra... maternelles 4 ans, Moi, je connais l'éducation comme faux. Maternels 4 ans comme conséquence d'affaiblir les centres de la petite enfance, alors qu'il y a des tonnes de documents qui disent que c'est le meilleur chemin pour assurer le développement des jeunes et la sécurité... De les faire durer dans le système scolaire, ce qu'on appelle toute la, la permanence. Oui, exactement. Là. Oui, est Et là, ça, il a, non, il a dit Moi, là, je vais déchirer mes culottes, je vais, il n'y a rien que je ne ferai pas on va le dans de 4 ans. C'est des beaucoup plus dispendieux qu'ils pensaient. Oui, on parle de 600-800 millions. Oui, Puis on parlait de quoi? De, 200 millions? 200 vu, quelque chose de même. Après ça, ben, on n'a pas les effectifs. C'est des dépenses d'immobilisation. De ouais. Les commissions scolaires, je ne change pas d'avis, mais c'est le méchant erreur, terreur, commissions scolaires. Pour le vrai. Et là. Arrêtez de mettre l'accent sur les élections scolaires. Mais qu'une démocratie se prive de bénévoles, entre guillemets, qui s'occupent de la question éducative, mais qui proviennent de, du milieu plus proche de la réalité objective, c'est une perte de démocratie. Et à chaque fois que tu perds de la démocratie locale, ben t'avances pas. Mais on arrive avec près de 60 dans la population qui sont pour l'abolition des commissions scolaires. Ça oui. veut dire qu'on n'a pas étudié comme il faut. Non, mais c'est parce qu'ils ont fait de la bonne banque. Non, mais je suis d'accord. Ils ont fait juste une banque. Oui, mais les, il n'y a pas beaucoup de gens qui les élisent. D'abord, un, c'est moins vrai qu'on le dit. Oui, parce que les autres, autres, ils regardent. Non, mais ils ont tout mis l'accent sur le 5 à Montréal. Oui, oui. Alors, ça, alors oui. que c'est ça a voté à 22. Oui. Ben non, ici, on joue ben 22. À, entre 20 et 25 qu'on ouais, qu joue. Mais, mais, mais dans les grands centres, on joue dans 5 à 7 ouais, Mais, mais dans, dans ce que j'appelle le débat, regarde la première phrase quand il a déposé son projet de loi. Fini les tournois de golf, les commissions ouais. scolaires. Aller euh, dans, dans hey, le sud, faire a, des réunions, a, etc. Il y, y en donc. a eu deux qui ont commis <laughs> des impairs sur 80 queues. Alors, ils ont mis l'accent. Et c'est une commande du ministre de l'Éducation. C'est une commande du ministre de l'Éducation aux gens de son ministère pour être capable d'avoir ce qu'on appelle de la belle démagogie à offrir au peuple. Ça, je marche pas là-dedans. Monsieur Gendron, ben juste euh, quelques chiffres. On ne les commentera euh, pas parce que vous en avez parlé beaucoup, mais satisfaction à l'égard du travail de François Legault, 64 performance comme premier ministre conforme aux attentes, 48 en accord avec les intentions du, du gouvernement, 69 abolition des commissions scolaires, on a parlé, 58 et un point très négatif, maternelle 4 38 Fait qu'à venir à date, il est bien dans celle. Oui, ben oui, mais ça, je l'ai dit, je le répéterai. ben, des fois, il y a de la vente, des fois, il y a des documents qui ont pas été pris en compte, et c'est normal. L'État, si je reviens un petit peu comme commissions scolaires, dit c'est un débat de structure. Il y a tellement de choses à faire, M. Lacasse, en éducation. Rembarquons-nous pas dans le débat de structure. Okay, <laughs> perte de temps, perte d'efficacité, et ils ont même dit on va sauver de la ruine. Ridicule. Le budget de l'éducation, vous, vous bah, comprenez que c'est quoi? 14 milliards. C'est ça, puis, puis ils ont trouvé 45 millions. Non, non, sur 4 ans. Oui, sur 4 ans. Oh, c'est 10, 10 millions par année. année. C'est oh, même exactement. pas... C'est une goutte dans l'océan. Trois dixièmes d'un pour cent. Trois dixièmes d'un pour cent prétendent que des économies-là, de hey, ils vont passer Monsieur Gendron, euh, un dossier euh, régional ici, de, dans, dans votre ancien comté, à BTV-West, c'est le CHSLD de McKay. Oui. Et puis bon, il y a six ministres qui sont venus oui. annoncer déjà. Fait que là bien euh, j'espère que ça va être le, la bonne la... fois. Malgré que moi, je me suis renseigné. J'ai eu une entrevue avec Mme Roy, gars, etc. Puis il y a des, des zones grises encore beaucoup. Et je ne veux pas être défaitiste, mais il y a des zones grises encore énormément dans ce dossier-là. Pour un dossier puis... prêt la même minute. Pour un dossier prêt, M. Lacasse, ce dossier-là là, est prêt depuis que Monsieur Desjardins M. Desjardins m'a dit genre, c'est logique ce que vous avez poussé. Bautis à côté. On ferme le dossier de penser de mettre aux normes mm -hmm. l'ancienne statistique. Ça ça. ça, ça marchera jamais parce que ça va coûter des feuillards, des feuillards, qu'on on va s'en parler dans 15 ans. Donc, <laughs> genre de... non, mais on bâtit à côté, ça. Là. Ça, c'est après, il y avait qu'à l'annoncer. Il y avait qu'à l'annoncer. Il y a, a qu'à ans. Une chose, là, que, que moi, j'ai, j'ai sursauté un peu, c'est quand on a demandé à Mme Marguerite Lim, la ministre des Aînés et des prochains aidants, qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci est la bonne? Et sa réponse aurait été, si ce n'est pas réaliste, si ce n'est pas réalisé, c'est parce que ce n'était pas des, des ministres de la CAC qui sont venus faire. C'est une jambette aux autres parce Pas que ça. C'est très faible. C'est, d'abord, c'est partisan à mort, C'est très faible. Et celle qui a dit ça, là a était avec le même ministre qui a retardé le dossier oui. pendant quatre ans. M. Greta Barrett, oui, parce oui. qu'elle était avec le Parti libéral. Bien, à moment je comprends. Il faut, faut faire de la politique d'une façon sans ridiculiser les citoyens. Il reste une minute. La à... visite de Greta Thunberg. <laughs> la petite Suédoise. <laughs> ben, dans, une, dans, dans des courants de pensée puis dans des sociétés, il va toujours avoir ce qu'on appelle des porteurs qui symboliquement présente de l'espoir extraordinaire. Alors, moi, qu'est-ce que vous voulez? Comment on essaiera de dire, ben oui, mais écoutez, ça reste quand même une jeune avec beaucoup de panache, selon ce qu'on a entendu. Mais c'est un ado, C'est une ado. Donc, là, on ne peut pas euh, dire, bien, grâce à elle, là, ça va débouler. Bon. Moi, je ne trouve pas déjà. ça. Bah, Donc, est-ce que le sujet est urgent? Bah, je comprends. Ah, ben, oui. ah, oui. Il est primordial. Il est il il primordial. Presse, presse, il presse, presse, presse. Oui, exactement. Et Tout geste qui a comme conséquence de faire réaliser l'urgence de la situation, bien, c'est positif. M. Jardon? Merci beaucoup, on voulait parler de la course à la chefferie du Parti. Mais vous êtes sûr qu'on a fait une de bien. Ben là actuellement là, on a 28 minutes puis je posais faire 28 minutes 30 secondes. il me reste 30 secondes. pour vous dire bon, ah, bon, bon ben, monsieur le... le... <laughs> C'est tellement intéressant, le, le temps passe trop vite. Monsieur Gendron, merci infiniment. On bien va bien, suivre bien. le 21 au soir et puis on va inciter les gens s'il vous plaît au moins faites votre devoir, oui, allez, euh, allez voter, votre devoir. Devoir. allez voter. Exactement. Monsieur Gendron, merci beaucoup et après euh, cette élection, on va sûrement se revoir pour commenter oui, les résultats légalement. Oui, là, on également... le plan prendra une heure. Oh, <laughs> prendra... Merci beaucoup, <laughs> M. Lando. Donc... Bienvenue, M. Lagarde. Mme merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. De... On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.